Incroyable. Ouais. Tout est inondé. Tout est complètement inondé d'eau. Oh la On les vache. voit bien les fils, regarde. Non, t'inquiète pas, je suis sur le milieu. Ouais. Oh, c'est incroyable, hein. C'est fini, là. Ouais. On a une belle vue, là, tu vois. De toute façon, ça s'enfonce là. Non, mais ça va, j'ai le pied. Tu peux venir jusque là si tu veux filmer. Regarde où il y a mon pied là, c'est bon. Et tu te rends compte, il pleut encore et l'eau passe même plus. Hein. Ah bah oui, là, il y a encore un mètre entre la haut de la arche. Mais après, ça va pousser sur la maçonnerie, donc on peut passer sur les côtés. Hein. Oh la vache. Le plus vieux pont qu'on a dans le coin. Hein. Ouais. Pour l'instant, ils sont solides. Et déjà hier, il y avait beaucoup d'eau, mais pas autant que ça. Complètement inondé. Ouais, il a réussi à ressortir sa remorque. Il a eu du mal. Hein. Quand ça bouillonne. Incroyable. Oui. Tu vois le chemin, regarde, pour aller à la pêche. Alors là. Ouais, ils se mettent là avec leur voiture le dimanche. Oh, purée, ouais. On a trois des remorques à fond. Complètement inondées. Tu te rends compte ça, le bras asséché, regarde. Le bras qui est à sec d'habitude du beuvron. Regarde, c'est encore pire. Putain. Quand j'étais petit, on le voyait des fois un peu plein, mais pas autant que ça. L'arche, c'est pareil. Ouais, l'arche, elle est pareille. Ouais. C'est Boulogne, là. Ça a été renforcé parce qu'il y a déjà dû avoir des crues autrefois, puis ça a poussé le coup. Là. Putain, ouais. C'est pas ce. Pierre, les pierres de marquage. On a les mêmes. Ouais. Il y a une porte. Ouais. C'est une porte de secours. Il y a même des planches, j'arrive. Il y a un Bourgogne sur les plans. Ah ouais. Voyons le pauvre. Et le pauvre Bourgogne. C'est l'eau qui a dû les amener là. Oui, ça a déjà été charrié. Viens, continue là. On traverse. Oh là là. Ça c'est carrément. C'est dangereux, c'est tout ça. C'est les purées, ça a amené les troncs d'arbres là carrément. Pour que ça circule par contre, ouais, c'est pas comme une pile. C'est un nouveau pont, ça. Ça a été construit plus tard que les autres. Bon, c'est la continuité, ça a été peut-être transformé en fait. Peut-être qu'il s'est écroulé. Hein. Trop compte, la flotte, elle vient carrément du pré du savon. Oh là là.
Il y a un mètre d'eau. Elle est dans la flotte. Puis il y a le château du savant. Là, c'est le moulin, là, du coup. Ouais, mais il doit avoir les prés dans l'eau. De la hauteur des piquets, ouais, mais là il y a un mètre et demi d'eau, hein. Ouais. Presque 2 mètres même. Hein. T'as eu le beuvron maintenant, il fait tout ça. Et tous les fossés sont inondés, hein, de toute façon. Incroyable. Oh la vache! L'eau elle va presque arriver dans la maison. Ouais. Oh bah je crois qu'elle y arrive. Ah non, elle y arrive pas, il y a le chemin qui en. Le chemin qui y va, ah si, il y a l'eau dedans. À mon avis, ça doit pas être plus loin. Hein. Là, il y a 1,5 mètre d'eau là. Il y a des gens qui habitent là-bas. Oh là 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 là. Putain la vache! Regarde les abris à foin là-bas, ils sont tous dans la flotte. Tous. T'as une tour d'angle, c'est la propriété du château, là, où il y a la tour qui est écroulée. Ouais. Ça commence là. Et le moulin, il en fait partie. Bah là, c'est dans l'eau, tout ça. Hein. Incroyable. Donc, c'est pas le moment d'être là. Tu te rends compte, les arbres, ils sont sous l'eau. On a plus de avant tout être dehors. Je sais pas, enfin c'est pas souvent que le beuvron il est en crue en tout cas. Bah non mais là c'est les 2 jours d'eau qu'on a eu, c'est pour ça aussi. Là. Le pire c'est que ça va retomber cette nuit. Là, le courant qu'il y a là-bas. Oh la vache. Sur les cartes de Vigicru, le beuvron il avait il avait 90 mètres cubes secondes de débit. Et tout est inondé. Quand t'es évacué du boulot, non ? Incroyable. Là, t'as quand même un débit très important. Ouais, c'est inouï. Une année bissextile en plus. Hein. T'as eu les troncs d'arbres là, regarde. Ça se barre. De ce côté-là. C'est ça le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a là. Oh purée, il y a des branches qui sont venues là. Ça se coince sous le pont là. Bah ça va faire le bordel. Sous le pont, là. Ouais, il y a un. Ah oui, il y a un tronc d'arbre qui est. Il y a 2 troncs d'arbre, papa, qui sont sous le pont là. Même si l'eau baisse, ils resteront là, mon avis. Et ils vont aller dessus. Il y a une différence de hauteur d'eau là, tu vois, l'eau qui vient de par ici, t'as vu là. Bah ça, ouais. Là, on voit entre les deux le mouvement là. Ouais, t'as vu, ouais. Là ça fait un entonnoir où il y a le pont. Là. Incroyable. On voit que l'eau elle est chargée de terre, hein, t'as vu. Elle ramène de la terre constamment de sa source. Hein. Oh là-bas c'est le bordel, il n'y en a pas eu qui s'amène. On va avancer. Parce que... On merde. Attention les voitures. Ouais, là t'as un débit énorme. Tu te rends compte les prés aux ânes. Là, t'as presque 2 mètres d'eau. Ouais, puis le camion, ça va pas le faire. Papa. Range-toi. Laisse-le passer. C'est le bazar avec la déviation de brassure. Hein. Regarde la porte. La barrière pour les ânes. 1,50 m là-dedans. Ouais, ouais. Ah, t'as vu les troncs d'arbres, ils se coincent dans les arches. Incroyable.
Ouais, les pieux sont inondés là carrément. Ouais, puis les bagnoles qui sont là-bas, ils vont être dans l'arc. Ouais, ouais, elles sont dans l'eau. Hein. Ah, oui, oui. Ah. Ouais, incroyable. Le beuvron. Regarde jusqu'où sont les voitures. Elles sont dans l'eau. Elles sont à la flotte complètement. Il y a 1 mètre d'eau là-bas. Incroyable. Hein. En fait, la flotte, elle arrive jusque à la Itouya là-bas. Même les sous, ils sont là. Incroyable. Il y a de l'eau partout là quoi. Ça arrive jusqu'à chez les gens.